Bonsoir en ce mercredi 8 mars 2023 pour un stream sur la continuité de Mirror's Edge Catalyst. Attention, il faut bien le prononcer et je suis flou. Voilà, pourquoi ? Parce que j'ai oublié d'allumer la lumière derrière. Mais flemme étant donné que bah je lance le jeu là. Je lance le jeu de manière immédiate, donc un peu la flemme. Mirror's Edge Catalyst. Je vais même changer de scène. Ah non, pas tout de suite. Encore un peu. Encore un petit instant, le temps que ça se lance. Donc, on l'a bien poncé quand même. On l'a poncé pendant presque 2 heures. Aujourd'hui, j'espère faire, pareil, 2 heures de bonnes heures de jeu. J'ai vu que sa durée de vie, sans les quêtes annexes, tout ça. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps d'en faire, des quêtes annexes. J'avais dit que j'en ferais peut-être un peu, mais finalement, non. Mais bref, tout ça pour dire que finalement, il se finissait en à peu près apparemment une durée de vie entre 8 à 10 heures, si on le pense bien comme il faut, etc. Donc sûrement que ce soir, pas demain, mais peut-être vendredi soir ou samedi soir, il est finito. Voilà. Donc espérons qu'on rencontre pas de difficultés. Le seul truc là qui m'enquiquine actuellement, c'est que le jeu ne se lance pas. Ce qui est un concept en soi. Mais je kiffe pas trop l'idée. Hein, je comprends l'idée, je vois un peu le background. Je regarde, hein, mais non, je ne le vois pas du tout dans mes... Il est complètement absent. Bien sûr. Ça, c'est bien chiant.
Je sais pas trop quoi faire. Peut-être parce que Steam n'est pas lancé. Si, bah si, il est lancé, Steam. Alors là, par contre, là. Ouais, c'est Electronic Arts qui s'éteint en fait. Il est même pas dans ma. Dans mes applications en fond de tâche. Donc je vais éteindre Electronic Arts. Voilà. Le relancer manuellement. On va être sûr. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Connexion à l'application Electronic Arts. Voilà. Il n'y a pas de raison, il marchait hier. Ah! Il se lance, le launcher. J'ai eu peur là. Là, je me voyais devoir trouver un plan de secours. Ça aurait pas été terrible. Voilà, donc j'ai 2h44 minutes de jeu. Et bah, je clique sur jouer. Voilà. Attention, de toute façon, il va encore pas se lancer, on sait pas. Hein. Si ça se lance, ça y est. Enfin, en tout cas, ça mouline. Oui, si, c'est bon. Pff. Oh, la peur. Ne fais plus jamais ça. Hein. Ok. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Surprenez vos ennemis en projetant. En vous projetant de droite à gauche. À droite ou à gauche? Bon. Ça devrait le faire. Is ok. J'espère ne pas avoir trop oublié d'input. Parce que hier, on a été quand même bourré d'informations, trucs comme ça. Normalement, ça devrait revenir. Reprendre. Putain, c'est rapide. J'adore. Alors, c'était quoi la mission, l'objectif? Retrouver Dogon au Gastronofuse. Alors, j'ai plein de missions. La messagère. Infiltration. Peut-être pour m'échauffer. Une petite mission annexe. Histoire vraiment juste de se remettre dans le bain. Alors, on va faire celle qui est à côté. On va passer par la fenêtre. Oh, ça m'avait manqué. Ce jeu est tellement satisfaisant en vrai. Messagère, j'ai une mission pour toi. Je suis sûre que tu aimes courir. Allez, des menaces, des menaces, des menaces. C'est pas sympa. Hein. Moi, si j'étais elle, j'éviterais quand même. Parce que franchement, les menaces, c'est pas terrible. En vrai, alors de nuit, ça, je trouve que de nuit c'est encore mieux le jeu. De nuit, je kiffe le jeu. Enfin, de jour aussi en vrai. Dans les deux, dans tous les cas, il est bien le jeu. Ah oui, c'est vrai. Ok. Aïe. Bon, normalement, j'étais pas loin donc. Ok, le voilà. Alors, ça fait des graffitis comme ça. De l'art, Face. De l'art. Ouais. Failli me faire avoir. Trop drôle. Tu viens juste pour ruiner mon amour propre ou tu es prête à travailler? Excuse. Je suis prête. Bien. Il paraît que Kruger Arms développe de nouvelles puces de capteurs de drones. Je crois qu'il faudrait qu'on en pique une. Maintenant, on va savoir où il les cache. Quelque part chez Kruger Arms, peut-être? Quelle puissance de raisonnement. Je connais un type qui bosse là-bas et qui a promis de me vendre des infos sensibles. Mais il est revenu sur sa parole. Donc je me suis dit qu'on trouverait peut-être les documents chez lui. D'accord. D'accord. Ça sent le plan de cul. Cool. Je vais t'envoyer son adresse. C'est pas loin d'ici. Ah, tu viens pas avec moi? Bien sûr. Oh, oh, oh. Putain, il y en a juste un à côté de, chez, de toi, là, et tu le prends pas. Le type travaille pour Kruger, mais il déteste son boulot.
Il a accès à des tas d'infos. D'après lui, cette nouvelle puce est une révolution technologique. Je pense qu'il a eu peur d'être démasqué. Ah, comme ça, la roulade. Regarde, devant le plus caveau qui est bon. Il vit au dernier étage, ok. Mon appart est au dernier étage. Facile à escalader pour une araignée comme toi. Ah, attends, je m'en vais. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ah, ici, il pénétrait dans l'immeuble. D'accord, c'est juste là. Je peux passer dans ce ventilo, mais il faudrait l'arrêter. Il y a sûrement un panneau de commande pas loin. Quel ventilo? Je suis les câbles. Arrêt. C'est bon, c'est coupé. Viens, le type habite au dernier étage. Ah. Ah, j'avais pas vu. Voilà, je me disais... Oula, ça va être compliqué cette histoire. Ah, le flou au loin, je sais pas, je suis pas fan. Peut-être que ça fait plus réaliste, j'en sais rien. Voilà, fâche, j'ai eu peur. Quelle est la proportion d'agents de Kruger Sec qui n'aiment pas leur travail? Cela dit, il y aura toujours une majorité de gens qui diront qu'ils n'ont pas le choix. Ah bah le Toyo. Ah, il n'y a pas d'indication et tout, ouais, c'est... C'est pas aussi simple, enfin c'est pas aussi simple, c'est pas compliqué mais... Il n'y a plus de repères du tout, quoi. Dernier étage en venue. C'est beau quand même. C'est vrai, mais... C'est les immeubles luxueux, plus t'habites en haut, plus t'es bien. Plus t'es riche. Oh, c'est là, hein. Par là, là, le Toyo. Oh, j'ai eu peur. C'est vrai qu'en vue FPS, c'est compliqué à comprendre parfois les mouvements, etc. J'ai trouvé le moyen d'entrer. J'en étais sûr. Réception. Il va rentrer chez lui, voilà, ça va être la merde. À quelle heure tu arrives et... Et je lui ai dit que je n'étais plus d'accord. Je suis obligé d'appeler du renfort. Le mec vient d'arriver. Relou, guys. Bon. C'était pas ce qui était prévu dans le plan original. Dans le plan original, je prenais la tyrolienne. Ouch. Bon, ça va, pour l'instant, il n'y a pas trop d'ennemis. Encore une fois, dans le script, ce n'est pas ce qui était prévu. Comment je pense cette putain de tyrolienne? Ah, comme ça, bah il a pas voulu la prendre la première. Je savais que tu y arriverais. Passe tout à l'heure, on regardera ça tranquillement. Ouais, c'est trop simple. Ouch. Ah c'est vrai, j'ai acheté de la vie en plus.
J'ai rien compris. C'était un peu trop haut, je suppose. Pour une grid comme ça. Je comprends. À l'avenir, je ne le referai pas. Voilà, moi j'essaye d'être joueur. Ah ouais, de là. Je suis sorti. J'ai le matos. Je savais qu'il arriverait. Passe tout à l'heure. On regardera ça tranquille. Et bam. Il a sûrement appelé ses potes. Fais-toi très discrète quelques temps. Oh, ça s'est entrechoqué. Magnifique. Salute. Ok. Alors j'ai une amélioration. Toujours bon à prendre. Dégâts accrus aux agents tactiques. Ça, ça m'intéresse. Il y a quoi d'autre sphère? Remontez vos jambolaires. Plus link. Ah non, là je peux rien améliorer. Ça, ça m'intéresse un peu quand même. Hein. Bon, je peux changer, je vais changer. Honnêtement, je sais pas. On va prendre ça. J'ai envie de leur péter la gueule et qu'on n'ait pas de difficulté là-dessus. Je suis le truc aveuglément, mais je sais pas du tout où je vais. Ah bah si, je dois entrer vers la base à mon avis. C'est trop bien d'entendre les gens. Non, bah non, bah c'est là. Hein. Oh, du coup. Ah bah voilà. Salut. Voyons un peu ces documents. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire? Que cette nouvelle puce n'augure rien de bon. Je suis bien d'accord. Apparemment, un nouveau drone est en phase de mise au point dans les labos de Kruger Arms. On pourrait peut-être voler la puce là-bas. On pourrait, tu veux dire, je pourrais. Ouais. Tu sais bien que je le ferais si je pouvais. T'inquiète, je m'en occupe. Super. On sera en liaison permanente. Ok. Ah là, ça enchaîne directement. Ok, c'est pas juste une petite mission quand même. Le bâtiment avec le gros logo Kruger Arms, aux étages supérieurs.
Ok, ok. Ah, pour l'instant, je kiffe bien le jeu. Une belle pépite que j'attendais de faire depuis bah, un an quasiment, je crois. Heureusement que j'ai changé de CG. Par contre, ça à chaque fois, ça me fait chier qu'elle fasse pas de roulade. En principe, c'est plus très loin maintenant. Bon, c'était chaud. Oh putain, d'accord, c'est une personne comme une autre. Ah, par contre, je trouve qu'il y a trop de trucs. Ballot quand même. Hein. Oh putain, je prends ça aussi. Et allez, on accepte. J'y suis. Bien. Essaye de trouver un point d'entrée. Et après cette mission, on ira faire la principale. On sait bien chercher la puce de capteur. Ah, les câbles sont cassés. J'ai cru qu'il y avait des gens. Et ils vont me capter eux là, non? Sur un drone dans la salle de démo. C'est quelques étages plus haut. Trouve un ascenseur. Fais chier. Entrechoquez-vous. Salut. Alors ça va être de quel côté par contre? J'ai cru qu'il y avait un garde. Oh, je deviens parano. Bon, là, il va y avoir un garde, bien sûr. Pas de garde? Rattrape-le, il nous faut cette puce. Salute! Allez, vite. Merde. Ok, ça va, ça se passe bien, c'est fluide. Scripted. J'ai pas le temps de prendre la puce là. Saute dessus et essaie de t'accrocher. Il supportera ton poids.
La vache, c'est solide ce drone. Ok, bah bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Putain, mais il y a plein de gens. Alors. Maintenant, on va faire la principale. Ouais, je me sers pas mal du sens urbain, mais j'aime bien. Je trouve ça plus pratique quand même d'avoir des indications. Plus simple, hein. Mais se balader dans ce jeu, c'est vraiment satisfaisant. Ah, je vais prendre ça. Profitons-en. Non merci. Tu n'en vaux pas la peine. Cordialement. Ah ça m'avait manqué. Hey, toi, par ici. Oh bah là, il y en a un juste là, dis donc. J'ai Rolimo. Oh là là, mais cette fluidité, c'est tellement satisfaisant. Je crois dans Code Lyoko, là, j'ai toujours trouvé ça satisfaisant là, quand ils se rendent dans la base, là, Code Lyoko. Dans la... Merde, j'ai oublié le nom du truc. Oh, bah. Je suis pas un vrai fan, hein. Terrible, hein. Nickel. Bonsoir. C'est assez loin par contre, hein. Heureusement que les trajets sont sympas. C'est juste un niveau de l'élan. C'est quoi ça? Pas utile. J'aime beaucoup ces paysages hyper blancs. Attention, cette phrase sortie de son contexte, elle peut être terrible. Hein. Hop, j'en profite juste vite fait. Vu que je suis là. Et que je suis pas en mission, donc il y a un qui urge. Ah, mais dans les escaliers comme ça, là, c'est terrible! Ah, je sais pas où je vais, mais j'y vais.
Bon, y a un truc à faire, il y a une dinguerie à faire ici, mais... pas tout de suite. Ah bah, c'est juste là. Dogen. C'est bon. Qu'elle entre. Face. Je commençais à trouver le temps long. Désolée, je serais bienvenue plus tôt. Je ne te fais aucun reproche, si encore tu me devais quelque chose. Bah justement, je pense que je vais pouvoir me racheter. Ne parlons pas de ça. 2 ans que je ne t'ai plus vu et tu me parles de dette. Ah, il nous menace. Il envoie ses sbires nous menacer. C'est pas logique. Mais la perfection m'ennuie. Ce sont les petits défauts qui donnent du caractère. Par conséquent, je veille à ajouter une petite touche d'humanité. Une légère imperfection. Vous l'avez gardée. Je pensais... Que je l'avais jetée. Non, j'ai failli. Tu m'as mis en colère, Face. Je sais bien que c'est un peu ta spécialité, vu le tort que tu as causé dernièrement. Monsieur Kroger, il veut la peau des messagers. Ce que tu lui as volé est sûrement d'une grande valeur. Ce sont les plans de réflexion. Ah, et tu les as sur toi? Non, pas là, mais... Alors on parlera de ta dette plus tard. En attendant, un gage de bonne volonté s'impose. Va cuisiner à Nancy pour qu'il paye ce qu'ils me doivent. Ton humanité les remettra dans le droit chemin. Très bien, je vois. Et qu'est-ce que vous voulez? Va à la Nancy Emporium. Je t'explique le reste en route. Alors lui, j'arrive pas à savoir. Lui, j'arrive pas à savoir si c'est un méchant. Cela t'aidera à gagner le sommet d'Anenzi, à manier avec précaution. C'est quoi? Traction Coder Mag. Dans la zone d'activation, s'active en courant, en sauto, en étant immobile. Beaucoup plus puissant que le modèle d'origine, le moteur de torsion fait se faire tracter. Et j'ai débranché mon casque. C'est pas dans le truc, hein. C'est moi ça. Ok, donc c'est une version améliorée. Intéressant. Oh oui, d'accord. Bon, j'ai pas trop compris, mais ok, je vois. C'était chaud. Et puis il fait jour maintenant. Il y avait quoi là? Contre le mur, jambes écartées. Maintenant! J'ai dit jambes écartées! Ah, tu veux la jouer? Main sur la tête! Alors, ça dit quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Hé, c'est fini! Alors, par contre, pourquoi est-ce qu'elle l'esquive pas? Trop rapide. Non, je veux juste les puces de commande. Hein. J'en ai rien à foutre de toi. Je me souviens trop bien de cet endroit. Oh la vache, bon c'est un méchant en fait hein. Ah oui, c'est ce que je voulais dire que j'ai pas dit je crois. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Du coup je sais pas. Mais je disais, j'arrive pas à savoir si c'est un méchant ou un gentil. Ce qui est enquiquinant, mais je pense que c'est un méchant quand même là. Je t'ai réservé une petite surprise. Un gentil ne dirait pas ça. Nous avons plein de choses à rattraper, Face. On pourrait peut-être dîner quand nous aurons réglé notre petit coup. Il y aura jamais de dîner. Never. Ever. Ever. Et comment va Doha en ce moment? Toujours à vivoter, j'imagine. En bon bosseur qu'il est. C'est un canal partagé, Doha. Je sais.
Donc vous l'envoyez encore faire une course pour vous. Elle va montrer à Annecy ce qu'il en coûte de ne pas régler. Ah, il entend tout ce qu'on nous dit en fait. Il nous espionne maintenant. Ça ne manque pas de sel. L'objet qu'on vous a ramené est amplement suffisant. Je vais enquêter sur la valeur potentielle de votre proposition. Mais chaque chose en son temps. N'oublie pas, Face. Duggan ne pense qu'à lui. Ah, ça fait mal, Noah. En plus, c'est faux. T'as la voix d'un méchant, je suis désolé, Duggan, mais... Ou alors ça, j'avais pas vu. Ah, puis ça non plus, j'avais pas vu. Voilà. Oula, quoi ? Ah oui, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais être bloqué dans le jeu. C'est un peu con quand même de... J'y suis presque, Duggan. Excellent. Grimpe tout en haut, détache l'amortisseur harmonique. Et c'est tout. Pour le moment. Morti quoi ? Une espèce de gros contrepoids qui assure la stabilité de l'édifice en cas d'ouragan ou de tremblement de terre. Mais je suis un fléau, moi aussi. Nous en ferons un outil de destruction. Nenzi le mérite vraiment. Quoi, tu as changé d'avis, Face ? Anenzi n'est pas l'incarnation du bien. Des locastes meurent tous les jours dans les usines des terres grises pour fabriquer des cure-dents et des couches culottes pour la mid-caste de cette ville. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour eux. Oh là là. Ah, par où je passe, les ascenseurs ? Je dois bien laver, je suis un peu paumé là. Non, bah non, ça n'aurait pas d'intérêt. Je sais pas, on dirait un tremplin. Merde! Chaque fois je me fais avoir. Hop là. Ça file droit. Ou pas. Mais quoi? Peut-être qu'il faut que je maintienne espace. Ou que... Ah non, je m'appuie contre le mur et que je me projette. Ok, j'ai. Ah, j'espère que je reprends pas de trop loin, parce que sinon ça va être chiant. Hop. Oh là là, ça s'enchaîne. Oh là là, l'enchaînement. Nvidia de mes couilles, et voilà, et j'ai planté le jeu. C'est bon, c'est de retour à la normale. Ah mais maintenant mon jeu n'est plus fluide. Si, c'est bon. C'est chaud là.
Moi, je comprends rien à ce que je fais quand même. Parfois, c'est bien le bordel quand même dans le jeu. J'ai l'impression que cet amortisseur va causer de gros dégâts, non ? Ouais, on va faire un attentat quoi, en gros. Les bosseurs qui seront là-dessous. Quoi, les bosseurs ? C'est bien ce que je pensais. Je vais les faire sortir, Dogen. Une alerte au feu suffira. Comme tu veux. Demande-leur gentiment, ils s'en iront sans faire d'histoire. Voilà, ça aurait été trop simple, bien sûr. Où est-ce qu'il y a une arme incendie? Repérez l'arme incendie et activez-la. Allez, go! Oust! Parfait. Normalement, ils vont tous évacuer, hein, s'ils sont pas cons. C'est un méchant. Tous les bosseurs ont été évacués. S'il lui arrive quoi que ce soit, Dogen, vous serez foudrage, je n'en doute pas. Nous en avons déjà discuté, vous et moi. Quelle discussion ? Oh. Noah ne t'a rien dit. Il y a 2 ans. Il venait me voir après ton arrestation. Il m'a fait forte impression. Non, il m'a rien dit. Ça parle peu, un messager. J'ai eu peur. C'est mine de rien, c'est pas que ça donne le vertige ce jeu, mais t'as pas envie de chuter quoi. Tout en haut. Où il est cet amortisseur, machin chouette? Normalement juste devant toi. Ça? On dirait le mécanisme d'une horloge comtoise, mais en plus gros. Certes, mais c'est mieux de désigner les choses par leur vrai nom. À toi de le détacher maintenant. En principe, il y a 3 fixations. Attends, c'est ça qu'on va faire tomber là? J'arrive pas à savoir ce qu'on va faire tomber. C'est ça ce gros truc là? Je comprends pas ce que c'est. Oui voilà, j'attendais qu'il me demande ça. C'était chaud hein, c'était moins une celui-là honnêtement. Il peut pas passer, c'est coincé. Oula! Ah non, par là. Ok, j'ai cru que c'était baisé. Il fallait faire des va-et-vient là, gauche-droite, gauche-droite. Et le dernier, et c'est finito.
Ah ouais, c'est tout ça qui va tomber. Oh la vache. Oh, l'immeuble est complètement détruit. Je ne sais pas. C'était prévu. Ça, Adenzi ne s'en remettra pas de sitôt. Voire jamais. T'as bien fait d'évacuer les bosseurs, Face. Cette fille a le souci de son prochain noir. C'est un petit défaut que nous avons en commun. Beau. Parfois. En commun ? Face, profite du spectacle, mais pas trop longtemps. Au moment où je te parle, je suis sûr que Kruger Sec a déjà dépêché du monde pour enquêter sur ce petit accident. Comme quoi, hein, même plusieurs années après, tout n'est pas encore patché. Hein. Il est sorti le 6 mai, si je ne me trompe pas. Non, le 6 juin, pardon. 2016. Ouch. Alors, prendre l'ascenseur dans ces conditions-là, je sais pas si c'est la meilleure option si un immeuble s'effondre. Je pense que la première chose qu'il vaut mieux éviter, c'est l'ascenseur. Il tremble. On va vers une chute effrénée. Ouais. Il va pas s'arrêter. Ah non. Ah non, bah, je suis déçu un peu quand même. Yo yo yo. Je te tiens au courant pour les plans. Ensuite, on discutera peut-être d'un dessin que tu pourrais peut-être subtiliser pour moi. Un dessin ? Face, Icarus a disparu et il est injoignable sur son pulse. Bon, il est mort. Il faut vraiment que je te l'explique. Non. Désolé. Bien. Il est mort. Non, c'est terminé. C'est terminé, Noah. Il n'y a plus d'espoir. Il est mort. C'est terminé. Ah, c'est terrible. Enfin, c'est comme ça, quoi. C'est les meilleurs qui sont vont en premier, quoi. Oh la vache, je suis ému. Bah, Icarus. Tout sauf lui, quoi. Bah voilà. Voilà, il n'y a plus personne maintenant. Il n'y a plus Icarus, il n'y a plus Face. C'est terminé. Que d'émotions ce jeu, hein. Ça te prend aux tripes et tu t'y attends pas, quoi. En plus, il était tellement gentil, quoi. Pour rien au monde, j'aurais souhaité ça. C'est comme ça. Voilà, petit trou là derrière, allez! Ah ouais, encore me casser les couilles, elle! Besoin d'une diversion, crédit à gagner. Un petit boulot pour Dogen, ah! Ok, bon, déjà, elle arrête de nous menacer, c'est mieux. Voilà, là, l'enchaînement! Attends, certes, je dois sauver Icarus, mais quand même, si je peux récupérer ça avant, c'est quand même plus important, quand même. Voilà, puis il y a même un petit point là-haut, là. Parfait. Alors, je retourne le sauver, maintenant. Promis, j'arrête.
Mais c'est vrai que du coup, j'avais pas pris conscience que c'est un giga open world, du coup, ce jeu. Et c'est très cool, hein, surtout dans sa manière de se balader, c'est, je trouve ça super. C'est vrai que sur GTA V, c'est pas la même, hein, quand même. Hein. Je passe plus de temps en bagnole que à pied, hein. Ah ouais, ouais, c'est un peu loi martiale quoi depuis l'attentat. Oh la vache, ok, je pensais pas que je devais me réceptionner. Salut. Je ne fais que passer. Ah dommage, j'ai voulu speedrun. Ça n'a pas été accepté, hélas. Heureusement, je reprends d'ici. Ah non. Ah si, ok, c'était juste un bug. J'ai pas le time. Allez, on n'est pas tracté, ok. Je me demandais si on allait être tracté ou pas, mais non, c'est bon. Is ok. Ça a été bien pensé. Enfin, un peu facile, mais bon. Hey, toi, par ici. Ta gueule. Je pense qu'il me le dirait si j'avais été dans la bonne direction. Au passage, je peux choper un petit point, voilà. On va pas cracher dessus, hein. Ça m'a quand même bien sauvé la mise. Je pense que je vais faire les quêtes annexes, parce que je pense que si j'avais pas eu de points d'XP, bah j'aurais été bien baisé quand même. Un peu de positif. Ouf. Ouais. J'ai compris. C'est interdit. Oh bah putain, il est pas mort. Merde. Non, super. Icarus a disparu de Pulse. Inquiet, Noah veut... Pourquoi on appuie sur ce bouton ? Ok, bon. Il est vivant. Tant mieux. Merci pour l'info. Et genre là, t'as pas entendu, wesh. Oh, ça va faire le giga tremplin, le saut de linge. J'ai jamais pensé dire une chose pareille, mais c'est un plaisir de te voir, Faze. Oh, c'est mignon. T'occupe et éloigne-toi de la clôture. Tu pourrais prendre une châtaigne. Ce serait bête de finir comme ces gars-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel gars? Il a quitté cet endroit. Ah oui. Pour l'électricité, ça devrait aller. Je te
te laisse aux bons soins de Kruger Selig. Si tu veux. Mais je préfère mon idée. Alors ? Comment je fais ? Ces câbles t'emmèneront jusqu'à l'interrupteur. Je te revaudrai ça. Ok. Bon, tu ne bouges pas. Trop drôle. Du don, ça a l'air d'être électrique comme ambiance. Tu sais, parfois tu dis des choses et tu les penses pas forcément. Ou tu fais des blagues que tu regrettes. Bien sûr. Je comprends pas où je dois aller. Et juste, il y a mon écran qui fait des siennes. Enfin, mon pied d'écran, plus précisément. Voilà, qui est mieux. Je comprends pas où je dois aller. Je dois sauter sur le mur, puis l'autre mur, puis l'autre mur. On va voir, on va essayer un truc. Ok, j'ai l'impression que là j'ai baisé un truc là. Je pense que je n'aurais pas dû sauter sur l'autre truc. En vrai, content de voir que si je touche les câbles, ça m'électrifie pas. Ah bah voilà. C'est tout ce que j'attendais. Ah, le Toyo. J'avais pas vu le Toyo. Attends, les câbles viennent bien par là. Hop. Petite puce. Parce que c'est des endroits en plus où je pense pas revenir de si tôt, donc... Oh, il y a du monde. Je peux laisser tout ça, hein. Quand j'étais en mode, il y a une métaille, un truc. Oh, il y a des gens. J'adore le fait qu'il y ait de la vie, en fait, à côté, qu'on voit des gens sur les balcons, etc. Enfin, je trouve ça très fun comme détail. Et c'est vrai que je trouvais quand même que le 1... Le 1 pouvait manquer de vie, un peu. J'y suis. Et c'est vrai, je trouve ça bien qu'il s'est mis un peu plus de vie. Bah après, le premier date de 2008 ou 2009, je sais plus. Donc forcément, mais les moyens techniques font que... Cut the electricity. Tout ça pour un putain de levier. Voilà. Tout va bien. Wow, merci du conseil. Le seul moyen de transport le plus sûr au monde, bien sûr. Yo. Icarus. En pleine forme. Content de l'entendre. Revenez ici. Bah dis donc, ça capte mal, hein. Oh oh. Noah, dis quelque chose. Kruger Selig nous brouille. Il faut rentrer, Face. Rendez-vous là-bas. Allez vite, putain d'ascenseur à la con, la autiste de merde. Plus vite. Allez, go go go. Face, je vois de la fumée. Molo molo molo. Accroche-toi, on arrive.
Oh là là. Allez, coupe ton micro, hein. Coupe ton micro, Noah. Hein. Je disais bien, la mission était trop simple. C'était sûr, en fait. Mais c'était sûr. Pas moyen de les joindre. Ni Noah, ni les autres. Kassek brouille leur communication. Allez, vite. Ah quoi? C'est pas par là? Bah c'est encore moins par là. C'est encore moins par là. Mais mon écran en fait il arrête pas de s'affaisser, donc fait chier. Ça me fait vraiment chier. Ok, par là, ouais, je sais pas, je... J'ai même suivi le chemin. Pourtant tous les chemins mènent à Rome, hein, bien sûr, mais bon. Oh, j'avais appuyé sur F. Bon. Ah, là mon écran c'est méga affaissé, d'accord. Bon, alors là c'est la merde au niveau du pied d'écran. Là, j'ai un problème. Ah oui, tiens, plus du tout. Alors ça, c'est encore plus problématique. Oh, il n'y a plus du tout de retenue. Oh non, c'est la giga merde, putain. J'arrive, c'est un peu galère. C'est un problème dont je me serais bien passé, bien sûr. Et là, c'est la merde, honnêtement. Je n'ai plus d'écran, du coup, techniquement, là, pour l'instant. Et je cherche un truc compatible pour resserrer cette merde. Ce qui n'est pas si simple que ça. Est-ce que c'est ça, non? Est-ce que c'est ça? Ça peut marcher, mais non, il n'y a pas assez. Bon, faut un plus petit. Non, c'est des Lego, je te jure. Ça pourrait pas être plus simple, cette merde. Là, c'est trop grand. Enfin, là, c'est trop petit. Là, c'est trop petit. Et là, c'est trop grand. Ah, j'ai la haine. C'est pas possible. C'est pas possible, eh. Bon, on va trouver une solution. Ça va se régler, cette merde. Très vite. Est-ce que ça passerait? En fait, j'ai deux boîtes à outils. Le problème, c'est qu'elles sont bien trop complexes pour mon niveau de de savoir. Est-ce que ça pourrait le faire? Si je prends le plus gros calibre, je pense pas honnêtement. Je pense que je vais juste péter. Non, en fait, c'est simple, ça n'accroche même pas. Donc en fait, cette boîte à outils-là, je peux pas la prendre. Comme ça, ça c'est réglé. Est-ce que ça passerait? Non, c'est trop gros. Oh putain, soit c'est trop gros, soit ça ne l'est pas assez. Ça commence vraiment à m'énerver. Trop gros. Je suppose qu'après, ça va être trop petit. Si, ça passerait, nickel. Donc il me faut l'embout de celui-là. Oh là là, que d'aventure, en vrai, c'est une aventure de fou, hein. Faut follow, hein. Faut follow.
pour en voir d'autres dès comme ça. Il n'y a pas assez de retenue. C'est celui-là, hein, mais... Ça me fait chier parce qu'il n'a pas assez de retenue. Non, mais il tombe, en fait. Il y a un problème, là. Qu'est-ce que ça fait chier le monde? Et en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'embout là qui soit réellement compatible? Oh non, mais rien ne tient quoi, tout est en équilibre, c'est terrible. Je vais mettre combien d'adaptateurs sur cette merde là? Pour ça que ça fonctionne de manière correcte. Bah non, mais je les ai tous mis en fait. Oh putain, si c'est celui-là. Oh, je suis con. Comment je l'enlève? Ok, parfait, c'est intelligent. Je vais redire ce que je viens de dire. Hein. Non, par contre, ça, celui-là, il veut pas rentrer. Hein. Il y a un détrompeur, il y a une connerie dans le genre. Bon, bah, peut-être que ça, c'est que je peux pas l'utiliser. Ça aurait été simple, bien sûr. Ok, bon, ça y est, j'ai le bon embout, j'ai tout bon. J'ai tout, il est bien. Ah, il n'y a plus aucune retenue. Bon là je le desserre complètement. Bon j'aime pas comment je tiens l'écran, je vais le péter. Non mais même en faisant ça, alors peut-être que parce que la vis de l'autre côté. Ouh j'aime pas. Alors si je fais ça maintenant. Oh non mais il n'y a plus de retenue. Ok, c'est la merde. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de retenue? Ah, faut que j'aille de l'autre côté ici. Ok. Allez! Bon! Bah voilà ce qui va se passer. Ça va s'arrêter là, malheureusement. Parce que en fait, bah, mon écran, en fait, il est complètement à plat, il marche plus. Et c'est la merde. Voilà, entre guillemets, parce que bah, faut, si j'arrive pas à régler le problème, c'est-à-dire qu'il faudrait que je remette mes anciens pieds d'écran. Et fait chier, quoi, voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est typiquement ce que je voulais éviter. Et ouais, non, je n'y arrive pas, hein. Alors, peut-être. Alors, peut-être. C'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Pourquoi est-ce que mon autre écran, il est déphasé? Ouais, du coup, j'ai tout déréglé. Hein, j'ai le pied n'importe comment. Ça me donne chaud cette merde. Hein. C'est pas terrible, mais c'est mieux, mais c'est pas terrible encore. Allez.
Please. Bon. On va dire que c'est mieux que rien. Yo. On va dire que c'est temporaire. Voilà, je vais ranger la boîte à outils, je m'en en récupérerai après. Mais ouais, c'est la merde. Je vais éviter de toucher, voilà, bon, je vois bien l'écran. Voilà, bon, c'est pas optimal, mais... Je pense que ce soir, j'aurais pas mieux. Pourtant, ce pied est censé supporter cet écran pile poil. C'est le poids max, en fait, cet écran, il fait le poids max. Et je sais pas, non, c'est la merde. Donc on verra. Pour l'instant, ça tient. Enfin non, il descend l'écran. Enfin non, c'est celui-là qui est trop haut, en fait. Voilà. En fait, ces pieds d'écran, je pensais pas que ce serait autant la merde. Et pourtant, si. Ça l'est. Bref. On va reprendre. Je vois plutôt bien l'écran, même si c'est vraiment pas terrible. Ouais, non. C'est de la merde, en fait. Je peux pas. Oh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Ouais, j'en ai marre. Tout marchait bien, j'ai une nouvelle carte graphique, j'ai tout ce qu'il faut maintenant, et c'est le pied d'écran qui me lâche. Ça me saoule. À un point, c'est stratosphérique. J'ai quand même à le préciser, c'est stratosphérique. Non, merde, je vais pas dans le bon sens. Là, j'ai serré un fond comme un gros bâtard. Et ça a l'air de tenir. Oh merde, j'ai touché un tout petit peu. Oh merde, putain. Je touche plus. C'est parfait. Non, c'est pas parfait, mais... Ça serait affaisse un peu, mais bon. Bon, il y a moyen de resserrer, c'est ça la bonne nouvelle. C'est pas mort, mais bon. Si je dois faire ça tous les temps. Comme aussi les bras aussi qui remontent ou descendent trop. Qu'il faut resserrer régulièrement. Enfin bref, c'est... Pied d'écran, j'ai l'impression que c'est pas une technologie qui est bien maîtrisée. Ou alors, j'ai pas de chance et j'ai pas pris les bons pieds ou je sais pas quoi. Bref. On peut reprendre. C'est... Muy bien. Ça a un peu pété l'action, malheureusement. Il me propose quand même d'ouvrir le kit et de payer un DLC, même dans l'apocalypse. That's not good. On a un problème. Toi, prends-toi le mur. Et quoi? J'appuie? Par contre, j'ai plus de vie. Oh la vache, ils sont balèzes. Affirmatif.
Toi, t'es trop simple. Même pas, tu me touches. Qu'est-ce que tu veux dire par souclé ? Oh, elle est con. Oula. Oh merde. Non mais stop là, les méchants là, y en a trop là, j'ai plus de vie. Je fais n'importe quoi, je panique. Non mais je vais mourir. Est-ce que c'est scripté? Est-ce que je dois mourir? Je suis pas du genre à penser ça quand même. Il va venir à moi, super. Si Mahomet ne vient pas à la montagne, la montagne viendra à Mahomet. Aïe, aïe, aïe. Moi, d'où ? Bon, stop là, les ennemis, peut-être là, non ? Oh non, un gros balèze. Oh, le sentinelle. Je me disais bien, s'ils m'ont redonné ma vie, c'est pas pour rien. J'essaye d'en cacher mes coups. Je suis dans une boîte. Oh, je comprends rien. Oh, ça fait bobo. Je vois ta tête en couler. Easy. Je crois que vous nous...
nous devez des explications. Je sais rien du tout. Qu'est-ce que vous avez fait à nos amis? On nous a ordonné de les capturer. Mais vous avez fait quoi? On était obligés de tirer. Ils ne se rendaient pas. Surtout le plus vieux. Vas-y, cours, je te retrouverai. Oh, comme par hasard, c'est sur nous. Vraiment. Oui, ça pique les fesses. Lâche-moi, wesh. Le drone est parti. Ça va, toi? Je sais où aller. Retrouve-moi à la grue de chantier au sud de Downtown. Je t'expliquerai. Alors, efficacité escalade. Bon, j'ai envie de faire ça. Je suppose que du coup, on a perdu une planque, hein. Ouais. Ah, le coup de l'écran quand même m'a bien fait chier. Puis je vois que là il est pas droit. Bon, c'est pour l'instant c'est bien, hein, mais ça reste bien, je veux dire, mais. Je pense que je pourrais avoir mieux, quoi, mais j'essaierai de le resserrer après, encore une fois, quitte à aller à fond. Mais en fait, je suis déjà à fond, en fait, c'est ça qui me... En fait, j'ai un écran qui est trop léger, donc il monte. Celui-là, il est trop lourd, donc non seulement il s'affaisse en... En fait, là, c'est pas genre le bras s'affaisse, c'est le pivot. Et ça, c'est encore plus casse-couille. Je préférerais, à la limite, qu'il s'affaisse. Que le pivot me fasse des siennes. Ta gueule. Donc je fais cette dernière mission et puis je pense que je m'arrête là du coup pour régler le problème de l'écran. Accroche-toi. Je prends la petite carte quand même, même s'ils sont en danger. Voilà, hein. Je garde mes propres priorités. Non mais putain, j'ai cru que c'était... Ouf. Après je vais prendre les échelles et les tuyaux, c'est vrai que les escaliers plus vite quand même, ce serait mieux. C'est quand même mieux maintenant.
Perfect. Je suis dans la cabine. Juste une seconde, que je comprenne comment ça marche. Un chef de gang tué dans un raid de Kruger. Mort d'un chef de bande ? Icarus, t'as vu ça ? Ouais, je vois. L'ont tué ? Ces enfoirés l'ont tué ? Oh. Il faut qu'on disparaisse, Faith. J'ai parlé à Rebecca Tain. Elle veut bien nous héberger. Non. On fait pas toujours ce qu'on veut. On n'a nulle part où aller. Noah n'avait pas confiance en elle. Il saura au moins nous cacher. Elle non plus n'aime pas Kruger. Non. Allons-y. Je resterai pas longtemps. Il est mort. Ça se tasse. Je t'envoie la position. Silence sur pulse jusqu'à ce qu'on y soit. Non, je pense pas qu'il soit mort. S'il est dans le 1, non ? Putain, honnêtement, je me rappelle plus très bien des persos. Fait chier. Elle dit, on va dire les termes honnêtement, fait chier. Parfait. Atteignez le QG de Black November. Hop, petite puce aussi, on la prend quand même. C'est pas anodin qu'ils mettent ça sur le chemin, je pense, en plus, honnêtement. Bon, je peux pas tout découvrir, malheureusement. Je kifferais bien, mais... Bingo. J'espère que ça va pas foutre le bordel à votre part quand même. On touche à des choses quand même, qu'on l'air assez importantes. Petite puce. Pas par là. Yo. Petit bain de minuit. Truc trop ringard, c'est de trouver une punchline à chaque mort. Bah c'est comme de faire Cry 3 Blood Dragon en fait. Chaque fois qu'il dure un ennemi, il fait la phrase la plus badass et ringarde à la fois. Bon, alors là, magnifique celle-là quand même. Hein. Par contre, la planque de dingue, quand même, si pour rentrer chez toi, tu dois faire ça, putain. Imagine, t'oublies ton tel. Dans ta planque. Tu dois puer le seum.
Et ça fait deux. Entrez donc, Rebecca vous attend. Super. Race ! Par ici ! Pas encore, Noah, pas encore. Ça viendra jamais. J'ai vu les infos. Faith, je suis désolée. Ne faites pas semblant. Non, c'est sincère. Écoute, nous n'étions pas toujours d'accord, Noah et moi, mais je le respectais. Comme je respectais tes parents. Noah a dit que vous faisiez partie du même groupe. Oui. C'est vrai. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'aucun moyen pacifique ne nous débarrasserait du conglomérat et des familles qui le dirigent. Il faut qu'on les détruise. Avec toutes les armes dont nous disposons. Je sais ce que vous pensez, mais vous vous trompez. Je ne l'ai pas. Je pense que si. Et c'est pour ça que Kruger Sek te traque et qu'ils ont tué Noah. Reculez. Écoute. Tu es sous ma protection, mais mon sens de l'hospitalité a des limites. Il faudra donc que tu te décides, sinon c'est la porte. Ça suffit, Rebecca, je crois qu'on a compris. Quoi que tu en penses, tu n'es plus neutre, Faith. Écoute, repose-toi un peu. Je suis sûre que tu finiras par comprendre. Tristan va te montrer tes quartiers. On en reparlera plus tard. Pas maintenant, je dois terminer ça. Vous n'avez pas le droit! Laissez-le! Erika! Abattez-le. C'est qui à la fenêtre? Une gamine, bordel! Attrapez-la! Un petit chat! Trop mignon! Maman? Face! Je peux pas respirer! Kat, réveille-toi, Kat. Il faut partir. Kat. Envoie-la à moi. Informe le PC. Elle est morte. Bon, c'est pas si dégueulasse que ça. On va la voir, on suit juste ce qui pourrait se passer et on le fait après. Ah bah non. Non bah du coup je vais m'arrêter là. Ça fait moins de 2 heures, je sais, mais avec cette histoire d'écran et tout qui m'enquiquine bien, puis je vois qui ça fait, etc. Enfin bref, ça m'a un peu coupé l'élan, je vais être honnête, ça m'a bien fait chier, ça me fait encore chier. Donc j'essaye de régler ce problème, histoire que voilà, ce soit patché, que ce soit réglé, que ça n'arrive plus jamais. Je suis armé pour tuer le problème. Donc ça va chier des bulles, hein, ça va serrer comme un dingo. Quitte à péter le truc, hein, j'en ai rien à foutre, je vais être honnête, à ce rythme-là. Non, on va éviter quand même. Mais voilà. Et bien sur ce, je vais quand même mettre une petite musique calme. Je vais mettre ça, voilà. La bonne soirée. Et puis, à demain. Pour plus longtemps, je vais faire plus longtemps demain, promis. Demain, on est quel jour? Demain, on est que jeudi. Ah oui, ça va, on est que jeudi demain. Je sais qu'on était vendredi. Tout va bien. À demain. Tchoussaï.